Bienvenue dans la cuisine de Casabena pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vais vous préparer 5 pâtisseries orientales avec une seule et même pâte. Vous allez voir, c'est une recette qui est facile à réaliser et c'est une recette qui est délicieuse que je vous conseille pour l'Eid, Inch'Allah. D'ailleurs, en parlant de l'Eid, sachez que je vous ai préparé une playlist donc sur ma chaîne YouTube où sont répertoriées toutes mes recettes de pâtisseries orientales si vous voulez bien sûr les faire vous-même. Alors pour cette recette, il nous faudra 1 kg de farine, un sachet de levure chimique, l'équivalent de 5 œufs, 300 g de sucre en poudre, 2 sachets de sucre vanillé, une pincée de sel et 500 g de beurre ramolli. Alors je prends un grand plat qui soit assez creux et je vais donc mettre les œufs à l'intérieur, donc je vais casser les 5 œufs. Donc il faut que ce soit des œufs à température ambiante, il ne faut pas que vous les sortez directement du frigo et que vous les utilisiez, il faut vraiment que vous les sortez au moins une demi-heure à l'avance. On va rajouter le sucre en poudre. Donc les 300 g de sucre en poudre et les 2 sachets de sucre vanillé. Ensuite, à l'aide d'un fouet, on va bien mélanger le tout. Après avoir bien mélangé le sucre avec les œufs, je vais rajouter donc le beurre. Donc c'est du beurre qui est ramolli. Et je vais bien mélanger le tout. Le beurre avec le mélange de sucre et d'œuf. Après avoir mélangé le beurre avec le sucre, avec les œufs, je rajoute la petite pincée de sel que je vais mettre un petit peu partout. Je rajoute la farine petit à petit. Donc je vais commencer par 500 g. Je dépose sur les 500 g de farine le sachet de levure chimique. Je vais bien mélanger le tout et ensuite je rajouterai les 500 g de farine restante. Une fois que j'ai incorporé bien la farine, donc la première partie de farine, je vais rajouter la deuxième partie. Je vais vous montrer d'abord la farine que j'utilise. Donc je prends la francine, qui est idéale donc pour les pâtisseries, surtout pour celle-ci. Et ensuite, je rajoute les 500 g restants et je mélange bien le tout jusqu'à former une boule de pâte. Ensuite, après avoir ramassé donc ma pâte, je forme un long bâton et je vais donc la partager en 5 parts égales. Ensuite, je vais former des petites boules. Faut pas trop la travailler, on va juste ramasser la pâte assez rapidement. Et ensuite, je vais les mettre dans du film alimentaire pour pas qu'elles sèchent. De cette manière, et je les réserve au frais. Donc, je vais en garder une avec laquelle je vais préparer ma première pâtisserie orientale. Et le reste, je les enveloppe pareil avec du film alimentaire et je les réserve au frais. Alors, on va commencer par la première sorte qui sont les boules coco. Sauf que je vais les revisiter et je vais faire des boules coco un petit peu plus modernes. Donc je vais vous montrer lors de la préparation comment je vais procéder. Donc c'est très simple, on va prendre donc de la pâte et on va former des petites boules de pâte. De cette taille à peu près, la taille d'une noix. Après avoir formé toutes mes boules, je vais les déposer sur une plaque de cuisson où j'ai déposé une feuille de papier sulfurisé. Je les espace. Après avoir déposé donc sur le plateau les boules, je vais les piquer avec mon doigt au centre, de cette manière, de sorte à former un trou. Donc, comme je vous ai dit, c'est des boules coco revisitées. Si vous ne voulez pas que votre doigt approche, vous pouvez mettre de la farine sur votre doigt. Et ensuite, je les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes à peu près. Pour la deuxième sorte donc, de pâtisserie orientale, je l'ai sorti du frigo parce que je les ai réservés au frais. J'enlève le film alimentaire et je vais pareil former donc des boules, la taille d'une noix, de cette taille. Après avoir formé donc mes boules de pâte, donc là je prépare encore un plateau avec donc du papier sulfurisé sur le dessus et je prépare un ramequin où je dépose des amandes effilées et un autre où je dépose du blanc d'œuf. Et il nous faudra aussi des cerises confites ou si vous n'aimez pas les cerises confites, vous pouvez donc utiliser des amandes ou des cacahuètes. Donc cette sorte de gâteau est très ressemblant avec le mchouk. C'est pour ça qu'on l'appelle le faux mchouk. Parce qu'il n'est pas à base d'amandes, mais il est à base de pâte sablée. Alors pour commencer, on va mettre notre boule de pâte dans le blanc d'œuf. Et ensuite, on le met dans les amandes effilées. On l'enrobe bien dans l'amande effilée, sur toute sa face. Ensuite, on dépose donc notre boule de pâte sur le plateau. Et ensuite, on va piquer avec la moitié d'une cerise confite sur le dessus et on va appuyer pour faire descendre le gâteau. De cette manière. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire la même chose avec une amande. Je le passe dans le blanc d'œuf, ensuite dans les amandes effilées.
Je le dispose à côté donc, du premier, on laisse un espace. Et à l'aide d'une amande, je vais piquer au centre. Et je les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 15 minutes. Pareil que pour les boules coco. Ensuite, pour cette troisième sorte de pâtisserie orientale, on va préparer des pâtes de chat. Donc rien de plus simple, on prend de la pâte. On forme une boule, pareil, de la taille d'une noix à peu près. Et ensuite, rien de plus simple, on va prendre une fourchette, on va la mettre dans de la farine et ensuite on va appuyer donc sur notre gâteau de sorte à former ce traçage. Ensuite, je les dépose sur une plaque de cuisson, pareil avec du papier sulfurisé, et je les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 10 minutes. Pour cette quatrième sorte, donc on va étaler notre pâte, fariner légèrement notre plan de travail. On va fariner un petit peu aussi sur le dessus. On va aplatir la pâte. Donc on aplatit la pâte sur à peu près 1 ou 2 mm. Et à l'aide d'emporte-pièces, on va découper donc des petits carrés ou des petits cercles, ce que vous avez. Voilà, de cette manière. Et je fais de même avec le dessus. Voilà, de cette manière, c'est pour réaliser des tartelettes à la fraise. Après, je les dépose donc sur une plaque de cuisson, toujours pareil, papier sulfurisé, et je l'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 10 minutes. On va passer à la cinquième sorte donc de pâtisserie orientale. Donc là, j'ai ma pâte sablée, là j'ai des petits boudins de pâte de date que j'ai formé de cette manière. Donc on va réaliser un gâteau qui ressemble à une corne de gazelle sucrée, mais qui n'est pas donc la corne de gazelle, parce que la corne de gazelle est farcie avec une pâte d'amande. Et là, nous, on a préparé une pâte de date. Donc, c'est un genre de mermoule, si vous préférez. On prend une boule de pâte, on la roule, on l'étale de cette manière, avec notre doigt. On dépose notre pâte de date, on referme, on roule, et ensuite, on forme notre corne de gazelle. Très simple, de cette manière. Vous pouvez les faire plus gros, vous pouvez les faire plus petits. Donc là, je les ai fait assez petits parce qu'ils vont gonfler donc à la cuisson. Si vous voulez avoir une jolie corne de gazelle, je vous conseille donc de vous aider d'un bouchon. Donc c'est la technique que je vous ai montrée sur ma vidéo des cornes de gazelle. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller bien regarder toutes les vidéos des pâtisseries orientales que j'ai faites. Comme je vous ai dit, je vous ai fait une playlist. Et grâce au bouchon, vous allez pouvoir avoir une jolie corne de gazelle. Ça, c'est une technique qui est pas mal. Si vous voulez avoir donc des cornes de gazelle qui se ressemblent, et voilà. Et je les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 15 à 20 minutes. Bien sûr, tout dépendra des. Après avoir laissé cuire donc mes gâteaux, là je les ai laissés bien refroidir, je vais les passer donc dans de la confiture d'abricot. Vous pouvez y rajouter une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger si vous voulez. Et je les fais un peu chauffer pour qu'elles soient un petit peu liquides. Et ensuite là, j'ai de la noix de coco râpée. Donc c'est très simple, on va mettre nos gâteaux dans la confiture. Ensuite, on les dépose dans la noix de coco. Et ce qui va changer donc entre les boules coco traditionnelles qu'on fait en général, donc les gâteaux Richebond et cela, c'est que je vais rajouter une touche donc personnelle qui donne le gâteau un peu plus moderne et plus joli. Donc comme je vous ai dit, c'est un gâteau coco revisité. Je rajoute un petit peu de confiture d'abricot au centre. Donc là, c'est le trou que j'avais fait quand je vous ai montré au départ pour obtenir justement un gâteau coco qui soit plus moderne que le traditionnel. Là, c'est la première sorte, c'est les boules coco revisitées. Comme vous pouvez voir, c'est un gâteau qui est présentable et qui est délicieux. Donc là, on va passer à la deuxième sorte qui sont les faux mchouwok. Alors pourquoi on les appelle les faux mchouwok? Parce que ça ressemble à un mchouwok, mais au lieu qu'il n'y ait que des amandes à l'intérieur, on a une pâte sablée. D'ailleurs, vous allez retrouver la recette traditionnelle des mchouwok sur ma chaîne YouTube. Dans la playlist que je vous ai préparée, où il y a toutes les pâtisseries orientales que je prépare, vous allez trouver donc le mchouwok 100% amandes. Donc après les avoir fait cuire, je vais les tremper dans le miel. Donc là, on a deux sortes, on a ceux aux cerises et ceux aux amandes. Donc là, j'ai un bol de miel chaud et j'y dépose donc mes gâteaux à l'intérieur. Ensuite, je les égoutte bien à l'aide d'une fourchette et je les dépose dans une panière pour enlever l'excès de miel. Et pareil, je fais de même avec celui à la cerise.
Vous pouvez, si vous voulez, les faire dorer un peu plus, mais le miel leur apporte une couleur dorée. Donc là, ça n'a pas encore bien absorbé le miel, mais d'ici une heure, vous allez les trouver encore plus dorés parce que le miel apporte une jolie couleur dorée à ces pâtisseries. Maintenant, on va passer à ceux à la confiture de fraises. Donc c'est très simple. On va prendre donc une face, la face d'en dessous. On va mettre un petit peu de confiture, comme ceci, au centre. Et ensuite, on va prendre donc un couvercle. Et on va bien appuyer de cette manière. C'est très très simple. Vous pouvez rajouter du chocolat si vous voulez sur le dessus ou du sucre glace. Mais vu que je vais faire les autres sortes avec du sucre glace et du chocolat, je trouve que c'est pas nécessaire. Donc là, c'est pour la troisième sorte, les tartelettes à la confiture de fraises, qui est aussi un joli gâteau présentable. Bien sûr, vous pouvez faire d'autres motifs. Vous n'êtes pas obligé de le faire en forme de carré. Vous pouvez le faire en forme de rond. Vous pouvez utiliser même un verre pour la découpe. Et on obtient de jolies tartelettes à la fraise. Et maintenant, on va passer aux faux tcherek. Alors, pourquoi je les appelle les faux tcherek, les fausses cornes de gazelle? Parce qu'elles ont une forme de corne de gazelle. On a l'impression que la farce, c'est de la farce comme les cornes de gazelle, sauf que c'est des amandes. C'est un genre de mermoule revisité en forme de corne de gazelle. Donc, c'est très simple. Il suffit juste de prendre la corne de gazelle, de la mettre dans le sucre glace, tout simplement, comme ceci, pour obtenir une jolie corne de gazelle. Donc ça, c'est pratique pour les personnes qui veulent vraiment faire des gâteaux assez rapidement, qui n'ont pas le temps. Avec une seule et même pâte, vous pouvez avoir plusieurs sortes de gâteaux avec bien sûr des goûts différents. C'est la même pâte, mais tous les goûts sont complètement différents. Voilà, là j'ai terminé mes fausses cornes de gazelle. Donc c'est un mermoule revisité en forme de corne de gazelle. Je vous conseille de réaliser cette recette, elles sont vraiment délicieuses. Pour les pâtes de chat, je vais faire donc la moitié avec du chocolat noir fondu et une autre moitié avec du chocolat blanc fondu. Donc c'est très simple, on va les tremper comme ça de moitié. Ensuite, on va bien enlever l'excès de chocolat et on va les déposer sur la plaque pour qu'ils sèchent. Et pour celles au chocolat blanc, on trempe donc notre biscuit dans le chocolat blanc fondu. Pareil que pour ceux au chocolat noir. Donc on les trempe de moitié. Et pour leur apporter de la couleur, on va y mettre quelques paillettes sur le dessus. On va les laisser bien sécher avant de les déguster. J'ai terminé de préparer mes pâtisseries orientales. Donc avec une seule et même pâte, on a 5 sortes de pâtisseries. C'est une recette qui est délicieuse, que je vous conseille de réaliser, car à chaque fois, on a une pâtisserie différente, alors que c'est exactement la même pâte. Donc on a ce boule coco que je vous ai montré, donc revisité, avec au centre de la confiture d'abricot. On a nos pâtes de chat au chocolat noir et au chocolat blanc. On a nos tartelettes à la fraise. On a donc nos sablés façon tcherek, façon maamoul, et on a nos faux mchougouk, donc comme vous avez vu, toujours avec une seule et même pâte. Donc c'est une recette que je vous conseille de réaliser inchallah pour l'Eid. C'est une recette qui est facile et c'est des gâteaux qui sont très présentables et délicieux que je vous conseille de réaliser au plus vite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous et surtout à vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes recettes. Mes 5 pâtisseries orientales avec une seule et même pâte sont prêtes et il ne reste plus qu'à les déguster.